Bonjour à tous. Alors, je viens faire une petite vidéo coup de gueule. J'ai deux petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. J'ai vu que ça bougeait un petit peu pour le 17 novembre. J'espère que ça va vraiment bouger, que les Français vont se motiver, sortir vraiment, faire un petit blocage bien costaud, montrer qu'il n'y a pas que le foot qui rassemble. Il y a du monde là-bas. À la une de l'actualité de ce samedi 17 novembre, l'attente du déferlement de la vague jaune pour protester notamment contre la hausse des prix du carburant. Vous l'avez entendu, il y a déjà des incidents un petit peu partout. France Inter. Alors, marée jaune ou pas marée jaune, nous allons tenter de faire le point dans un instant, d'autant que 1500 actions des gilets jaunes ont été répertoriées sur les réseaux sociaux, avec notamment des blocages de ronds-points, de péages, d'accès aux stations-service ou bien aux grandes surfaces. Des opérations envisagées ce samedi 17 novembre pour protester notamment contre la hausse des prix du carburant. Et on voudrait demander à M. Macron, effectivement, qui habite sur une autre planète, qui descende sur Terre, voir comment on vit et voir les difficultés dans dans lesquelles la plupart des gens se trouvent. Voilà, bah moi je l'invite carrément à venir passer quelques jours à la maison, voilà, pour qu'il voit un petit peu comment ils vivent les gens réellement. Parce que c'est juste plus possible, quoi. Quand j'avais 15 ans avec 10 000 francs, on était considérés comme des bourgeois. Aujourd'hui avec 1 500 euros, on est des pauvres. Il n'y a pas un problème quand même. L'euro, il n'y a pas eu comme un problème. Il y a un problème. Voilà, et là, il faut réagir. Et on réagit, on est là, on est solidaires, tous ensemble. Mais on va tenir, on va rester. Voilà. Ah, ça charge. On reste quand même. Ils veulent pas qu'on passe, mais ils peuvent rien faire. On est beaucoup plus nombreux qu'eux. Regardez un peu ça. Ils peuvent rien faire. Voilà, ils se replient. Voilà, ils se replient. Regardez ça, ils se replient.